en scène, donc c'est un festival qui a lieu sur le domaine de Saint-Cloud, aux alentours de Paris. Ça réunit énormément d'artistes, il y a 4 vraies scènes. On est très très proche de Paris, Sèvres est à 5 km de Paris. Ouais, donc ce qui permet d'avoir beaucoup de personnes sur ce festival-là, c'est un festival vraiment important. Mais du coup, avec certaines contraintes de voisinage, étant aussi proche, étant vraiment dans la ville, au cœur de la ville. Quand on parle de partenariat, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement opérationnel, puisque on le constate aujourd'hui sur des grands événements, des événements majeurs comme Rock en Seine, qui est un des principaux festivals franciliens. On a tous les ans un nombre important d'échanges avec les équipes de DNB qui nous supportent, qui nous apportent toute leur expertise dans la conception, l'installation, la préparation de ces événements. Et c'est un support qui est vraiment extrêmement important et appréciable chaque année. Et qui chaque année d'ailleurs s'améliore, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Sinon aujourd'hui, cette année, c'est une occasion un peu particulière, puisque aujourd'hui on est très très heureux de pouvoir découvrir en grandeur nature le KSL. Et c'est un moment particulièrement important pour nous. Sur les particularités, on a des scènes qui peuvent créer des pollutions d'une scène à l'autre. Donc c'est assez important de bien canaliser l'énergie et la portée des systèmes. Du coup, avec le reprocessing, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir des décroissances et d'éviter de polluer les différentes scènes. Cette année, c'est la première année qu'on monte du GSL sur la grande scène et du KSL sur la scène de la Cascade. Donc c'est la première fois qu'on met des systèmes cardioïdes sur Rock en Seine. Les premiers retours sont vraiment extrêmement bons, notamment sur les problématiques de pollution sans onde arrière. Il est beaucoup plus honnête sur le spectre, sur l'ouverture du système en lui-même, sur la cohérence, sur la longueur. Hein, c'est sur l'arrière, hein, ouais, c'est quand même assez impressionnant. Avant, j'avais du G-Sub, j'en avais un bon paquet, ça faisait une bonne ligne, c'était sympathique. Et avec aussi le SL-Sub, là, on m'a réduit, j'ai fait un peu la grimace. Et quand j'ai écouté, j'ai fait, ouais, quand même, c'est quand même un très, très beau sub. Moins de travail à faire dessus. On a une sensation de l'infra qui est quand même assez impressionnante. En fait, on réunit un peu le G-Sub et le J-Infra. C'est vraiment, dans un seul sub, c'est quand même pas mal. Derrière la scène, il n'y a pas d'onde, c'est fabuleux. Alors sur le nouveau KSL, c'est assez impressionnant, surtout sur le premier plan, sur la projection du son, ce qui nous permet de jouer moins fort. On a vraiment un premier plan très très intéressant. Et aussi au niveau de l'impact et du grave, je trouve extrêmement beau, extrêmement défini et tendu. C'est vraiment très prometteur. C'est vraiment sur la projection et sur l'équilibre de la balance tonale où on retrouve le haut du spectre et le bas du spectre de façon plus précise et beaucoup plus présente sur le KSL par rapport au J. Voilà, donc on est particulièrement heureux de vivre ce moment privilégié sur Rock en Seine tous les ans, et on est particulièrement heureux d'avoir cette relation de longue date et qui va se poursuivre dans les années à venir avec DNB.